Tu as pas peur. Oh. Salut mes chers abonnés, c'est Mister Game 38 et Mister Game Junior. On vous propose une vidéo compte rendu vide grenier qu'on a fait sur 3 jours et sur 2 week-ends différents. Alors, les premiers objets qu'on va vous présenter, on a fait le vide grenier de la place Saint-Bruno qui était le samedi 4. Et le dimanche 5, on a fait le vide-grenier des quais de l'Isère, quai Saint-Laurent en Grenoble. Déjà, ce premier week-end, il n'y avait pas beaucoup de jeux vidéo. S'il y avait des jeux vidéo, ils étaient très très chers ou en mauvais état. On a même vu des jeux originaux, mais avec la couverture photocopiée. Moi, ça ne m'attire pas d'acheter. En plus, le mec, il faisait à 3, 4 euros, 5 euros le jeu. Voilà. Après, je trouve qu'il y avait beaucoup de jeux sur Vinted, mais pas beaucoup de jeux dans les vide-greniers. C'est mon impression à moi. Oui. On a quand même pu trouver des choses. Trouver des choses. Il y avait un stand sur le deuxième vide-grenier où il y avait beaucoup de jeux vidéo, mais le mec, il les faisait vraiment à des prix chers. Il se croyait à je sais pas où. J'avais pris une pile de 10 jeux. Il me faisait le jeu à 50 euros. Et franchement, pour vous dire, il n'y avait pas de rareté. Il y avait juste un jeu, un Batman sur Wii que j'aurais bien voulu. Mais mec, il me faisait à 10 euros. Et je pense que je peux peut-être le trouver moins cher en cash. Alors, on va commencer par le premier vide-grenier de la place Saint-Bruno. Alors, j'ai trouvé le driver complet sur PS1. Le mec en voulait 5 euros et avec la boîte cassée, je lui ai dit je vous le prends à 3 euros. Il m'a dit oui. Je suis vraiment content d'avoir trouvé le premier driver à 3 euros. Et moi, je me rappelle du tutoriel dans le parking du premier driver. Voilà, pour pouvoir avancer dans le jeu. Après, on va enchaîner. Alors, j'ai une série que j'ai voulu regarder depuis le début, mais comme la chaîne que ça passait sur Orange, et moi Orange à l'époque je l'avais pas, la chaîne OCS, et après j'attendais à chaque fois dans les soldes les intégrales, mais et puis je voulais pas passer le pas. Et je sais que la série s'est arrêtée à la 8e saison, vous savez de quoi je parle. Et l'intégrale des 8 saisons, je crois que c'est 80-100 euros et j'ai pas envie de les mettre pour le moment. Et en vide-grenier, j'ai trouvé déjà la saison 1, 2 et 3 pour 12 euros. Voilà, le monsieur me les a fait à 12 euros les 3, c'est Game of Thrones. Alors, j'ai trouvé la première saison. Voilà, je vais pas vous en dire plus, je connais pas vraiment l'univers. Mais je connais déjà les personnages, tout ça. Après, j'ai dû peut-être regarder 2-3 épisodes à voler comme ça. Voilà. Ça, c'est la saison. Non, on va faire dans l'ordre. La saison 3, qui se passe dans la neige, il me semble. Mais je ne vais pas dire trop de conneries. Et la saison 5. Voilà. Tout en Blu-ray, le mec m'a fait 12 euros les 3. Vous me direz en commentaire si c'est cher. Moi, je trouve que j'ai fait une belle trouvaille. Après, le dimanche, on va en vide-grenier. Et le vide-grenier, il est encore sous le thème de Game of Thrones. Pareil. Et pareil, okay, ça me rend, il n'y avait pas vraiment de jeux vidéo, il y avait juste un revendeur et j'ai réussi à lui prendre un jeu. Un négociant, c'est vraiment rare de négocier chez eux. Alors, dans un petit stand, et là, tu m'as dit que je l'avais eu pour 3 euros. Ouais. Et en gros, j'ai pu trouver la seconde saison de Game of Thrones, toujours en Blu-ray. Voilà, pour 3 euros. Voilà, franchement, je vais pouvoir commencer à visionner la série Game of Thrones. En gros, voilà, j'ai de la 1 à la 5. Voilà, j'ai pas la 4, mais c'est pas grave. Je suis vraiment content. Les fans de Game of Thrones vont être contents. Ils vont me dire, faut la regarder la série. Et là, je vais pouvoir la commencer. Après, sur ce fameux stand où je vous ai dit que le monsieur faisait vraiment ces jeux vraiment, vraiment chers. Et Anthony, il a réussi à trouver Captain America. Bon, vous allez me dire la... Et t'as 2 euros, il a fait, ouais. Elle est un peu articulée. Bon, je pense que ça se vendait dans les marchands de journaux, je pense. Toc, 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 Madeline China. Ouais, bon, voilà. 2 euros le Captain Marvel. Voilà, bon état. Bon,
il est tombé, Captain Marvel, il est là pour détruire du monstre. Bon, reprenons notre souffle. Alors, sur le stand du revendeur, il avait deux exemplaires de Smash Bros. Sur Wii, que j'avais pas. Il y en avait un, c'était choix du joueur, il le faisait à 10, celui-là aussi à 10. Et moi, je lui ai dit, bon, on peut pas négocier un peu, en plus, il est complet, et au bout du compte, il me l'a fait à 7. Il me l'a fait à 7 euros. Voilà. Franchement, je suis vraiment content, je l'avais pas, et je voulais vraiment tester avant, peut-être que si ma femme le veut sur la Switch, on prendra sur la Switch Ultimate. Voilà, je suis vraiment content. Voilà, terminé pour le vide-grenier du week-end du 4 et du 5 juillet. Moi. Voilà, toi. Alors, je vais vous expliquer le déroulement du vide-grenier de dimanche dernier. Alors, moi, dimanche dernier, je travaillais. Boulot, papa. J'étais au boulot. Et en gros, lui et sa mère sont allés au vide-grenier. C'est un vide-grenier qui était vraiment à même pas un kilomètre de chez nous. Là. Ouais, qui était, c'est le vide-grenier de la Bifurque à Grenoble. Et alors, eux, ils sont allés le matin, je leur avais donné un petit budget, je leur avais dit, faut pas trop dépenser, ils ont dépensé 30 euros. Cala. Ouais, sur trois stands. Et puis moi, je suis retourné l'après-midi, j'ai même je suis allé autour de 2 heures, je crois, et j'ai même trouvé encore des petits jeux et des cartes DBZ, mais ça, je vous le montrerai après. Alors, d'abord, pour commencer, pour les moins de 20, vous ne pourrez pas connaître. Alors, ma femme, elle a trouvé le vinyle de 45 tours de Histoire sans fin avec Bastien et le chien dragon là. Voilà. Celui-là l'a pris pour 1 euro le vinyle pour un film culte. Le premier, le deuxième, il était un peu moins bon. Voilà. Franchement, allez l'écouter si vous voulez sur Deezer, Spotify et que vous voulez. Mais franchement, ouais, moi c'est un film que j'avais bien aimé à l'époque. J'avais même vu à l'école. Putain, ça va loin. Et je les possède en Blu-ray les deux. Voilà. Ma femme a trouvé ce vinyle-là. Ensuite, sur un autre stand, ils ont trouvé 3 jeux. Alors, pour commencer, ma femme, elle veut apprendre l'anglais. Elle a trouvé sur DS un jeu sous blister. Ouais. Le Minyu Language. Ouais, langage en anglais. Apprends l'anglais. Bon, mon anglais n'est pas bon. Et il est sous blister. Je pense que c'est un blister conditionné. C'est pas un blister officiel. Il n'y a pas de design Nintendo, rien du tout. Mais les sous-blisters, voilà, bon, elle va visiter pour jouer et pour apprendre. Voilà, sa maman, elle l'a trouvé à 3 euros, tu m'as dit. Hein. Oui. Ouais, 3 euros. Voilà, pour un jeu sous-blister, c'est pas mal. Après, mon fils, Anthony, il a voulu prendre le Need for Speed Carbon que je possède sur PS2. Mais... Et là, il a pris sur la PSP l'UMD. Il est bon, pareil. Et le canque oui, t'es. Oui, c'est franchement, les Nafospeed, ils étaient pas mal à l'époque. On l'a payé 4 euros. Voilà. Cala. Moi, je trouve que c'est un. Et t'as pas négocié sur le coup. Hein. Non, voilà. Non. Maman, non. Oui, non, mais bon, c'est pas. Pour 4 euros, tu vas pas. Bon. Ensuite, il m'a trouvé une pépite quand même pour ma Full Set versus Acting. Il m'a trouvé l'édition des 3 jeux de la PS3, Soul Calibur 5, Tekken 6 et Tekken Tag Tournament. Voilà, il m'a trouvé les 3. Je le voyais à Micromania, je voulais jamais le prendre. Et là, il l'a trouvé à 12 euros. Je pense qu'il aurait pu négocier, mais c'est pas grave. Je pense qu'il aurait pu toucher à 10 euros. Mais pas grave, il a eu à 12. Que ces jeux, je possède déjà à part sur PS3, ouais. Et là, voilà, je suis vraiment content d'entrer cette compilation. Et je pense qu'elle va se faire rare dans l'avenir. Voilà pour le deuxième stand. Le troisième stand, c'était un peu plus... Il y a plus de quantité. Et oui, petit et grand. Il était petit. Alors, ouais. On va commencer déjà par le cadeau de mon papa. Mon fils, il veut lui faire un cadeau. Mon père, il est né le 16 août. Il lui a pris l'homme orchestre avec deux finesses. Et ça, tu m'as dit, tu l'as trouvé à 1 euro ou 2 1 euro. 1 euro, voilà. 1 euro non, le non, 2 euros. 2 euros, bon.
2 € pour un classique de De Funès, l'homme orchestre. Voilà, ça c'est pour mon papa. Et pour son grand-père. Après, il a trouvé les fous du volant sur PS1 Et pète un, avec le jeu et la jaquette arrière. un, deux. Et là, tu l'as éclaffé à quoi? À 1 €, tu m'as dit. Un Oui. euro. Ça, franchement, c'est un bon prix sans la jaquette avant. Et le disque, il est nickel. Voilà. Franchement, pour 1 €. Et moi, pareil, je le possède sur PS1. Et puis, s'il y a une âme charitable qui a la jaquette et la notice, dites-moi en commentaire. Et on fera un échange peut-être. Ensuite, non, celui-là, on va le laisser en dernier. C'est la meilleure prise que tu as prise. Il a repris le Sonic Unleashed, un Sonic que j'avais pas apprécié, que j'avais revendu parce que j'aimais pas les phases 3D et 2D. Voilà, il me l'a Non, repris. Je vais non, peut-être le mais garder, on va voir. Bon, en plus, il est complet. Et celui-là, tu l'as eu à combien? 3 €. 3-0. 3 € plutôt, 3-0. Oui, 3 euros. peut-être. 3 euros. Bon, c'est un bon prix aussi. Bon, sans négociation, c'est pas grave. Après, il a trouvé un Steelbook. Oui, Ouais, ça, c'est le premier, ça. Il a trouvé un Blu-ray Steelbook non, pour 1 euro du Choc des Titans. Oui, bon. Oui, bon. Oui, bon. On s'en fout dans quel ordre. Voilà. Tu l'as chopé le Blu-ray et DVD, le combo, pour 1 euro. Franchement, ça mange pas ce pain. Et en plus, il est très, très, très complet. Voilà. Un film vraiment spectaculaire que je conseille. C'est dans la même veine un peu que 300. Voilà. Et pour terminer cette matinée, il m'a trouvé. Et franchement, moi, je possède en version Platinum et je le vois pas. Il se fait rare quand même. Il m'a pris le Tekken 4 avec la démo inclus dedans. Et petit ton, petit, 3 €. Et il a Non, Nantin, Nantin. 5 euros, il a pris Oui. un comédien, un petit jeune sur un stand. Voilà, bon, je pense franchement que c'est pas volé 5 euros avec la notice complète en plus. Alors, vous me direz en commentaire si c'est cher, mais franchement, je le vois jamais en cash, pratiquement jamais. Je vois la version qui est avec le jeu. Mon guillet. Mon guide Ça veut dire tu quoi? et mon tu mon... Ah bon. Bon, il veut dire qu'il est content de l'avoir trouvé. Voilà, le Tekken 4. Et pour terminer, je vous ai dit que moi, après le boulot, j'avais une petite pause en après-midi. Je suis retourné au Zigonnet. Je voulais y aller. À 1 km de chez moi, tu peux pas faire mieux. Et moi, j'ai trouvé quand même un Dragon Ball Z sur Game Boy. Ouais, sur Game Boy Color. Et celui-là, il me l'a fait à 5 euros. Voilà. 5 euros, il m'a offert 3 cartes DB. DB avec. Je suis vraiment content. Et ça, c'est pas un versus hacking, c'est plutôt un jeu stratégique. Un DBZ stratégique, voire RPG, je crois. Mais c'est pas un versus hacking. Il me l'a fait à 5 euros, c'est vraiment correct. Il m'a dit que la pile fonctionnait. La pile de sauvegarde, on verra bien. Si elle n'est pas bonne, je la changerai. Et il m'a offert ces 3 cartes que j'ai pas, j'ai vérifié. Alors, un Sangoku en GT. Il m'a donné aussi un autre. C'est Sangoku avec l'autre méchant. C'est Redzik. Élu par. Voilà. En version Dragon Ball GT. Puis, il m'a passé celle-là. Ça, c'est une carte japonaise. En longueur. Et dessus, c'est 18 avec un père. Ça, c'était, je crois, juste le tournoi du champion du monde, je crois. Ou je crois que c'est 18 avait gagné, je crois. Bon, bref, voilà. 3 cartes plus le jeu, 5 euros. Franchement, c'est bon. Et puis, moi, après, je suis passé sur un stand où ils vendaient que des cartes. Et je lui ai pris des cartes de l'arc DBS. Et les 3 cartes, je les ai eues pour 15 euros. Voilà. Il y en a une qui vous a dit 10 et le reste, voilà, vous comptez. Alors, la 10 euros, c'était celle-là. Samuel a fait à 10 euros Sangoku. Elle est vraiment belle. Non, ben. Ouais, elle est belle, hein. Voilà, elle est sur les deux faces. Ensuite, il m'a fait celle-là. Elle est magnifique aussi, je ne l'avais pas, Mira. C'est dans ma collection.
Et il m'a fait encore Bleu. un Sangoku. Ouais, Blue. Sangoku Et Blue. t'as noir, non? Non, mais. Oui, il a de côté les cheveux noirs, ouais. Ouais, voilà. Il fait un Kamehameha. Voilà tout. J'espère que ça vous a plu, ce vide-grenier. On Peut-être a, on a, on a, on a pas réussi à filmer. Comme je vous dis, il y avait pas beaucoup de jeux vidéo. Et c'était des vide-greniers qui étaient vraiment petits. Et on n'a pas eu le temps de filmer. pim. Ouais, et là, sur le stand où il a pris, oui, où, je veux dire, c'était, il a, où il a pris le Choc des Titans, il y avait vraiment beaucoup de DVD Blu-ray. Je pense qu'il vendait, il rendait peut-être sa collection. Bon, si vous avez aimé, mettez le pouce bleu. Abonnez-vous, je crois que j'ai eu 5 abonnés de plus, je suis à 686, je suis vraiment content. Et n'oubliez pas le commentaire, je réponds à tous les commentaires quelques jours après la sortie de la vidéo. Voilà. Je vous dis 1000 bisous et j'aurai un vide-grenier permanent le 25 juillet. Je travaille, mais j'irai pendant ma pause. Et après, on n'a pas pratiquement plus de vide-grenier. Je crois que le prochain vide-grenier à Grenoble, ça sera en septembre. Voilà, je suis vraiment pas gâté dans ma ville. On n'a vraiment pas de vide-grenier. Après, si on veut faire des vide-greniers, il faut faire 20 bornes, 50 bornes. Et comme j'ai pas la voiture, c'est un peu chiant. Voilà, et un jour, peut-être, on ira du côté de Astérion, dans ses vide-greniers à lui. On verra bien un jour. Allez, bise!